Yo, back to school when the kids would pick me in the locker room. Tell them kids, yo, you a bully. I don't like bully. Bully, boy. Hey, c'est la troisième fois que j'essaie de faire cette vidéo, puis à chaque fois, l'intro devient de moins en moins bonne. La première fois, c'était fucking drôle. La deuxième fois, c'était pas tant drôle, puis là, c'est juste... Là, tu vas dire, pourquoi tu l'as refait trois fois? Parce que la première fois, j'ai enregistré, ok, puis mon ordi, j'ai pas réalisé qu'il enregistrait avec le micro de ma webcam big. Comme si j'étais là à faire du web show, webcam... Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, Danny Turcotte. Bonjour, bienvenue à tous. Grosse nouvelle dans le monde de la télévision au Québec. Le fou du roi de Guillaume Lepage, nul autre que Danny Turcotte a démissionné de son rôle de fou du roi. À tout le monde en parle. Si vous avez pas trop suivi comment ça s'est passé, parce que vous écoutez pas la télé, puis vous faites partie de mon public qui s'informe pas trop sur la télévision, puis qui a trouvé des nouveaux canaux de communication pour s'informer sur le web, ben bienvenue. C'est une triste nouvelle pour beaucoup de gens, sauf si t'es comme un jeune YouTuber qui essaye de comme instrumentaliser ses fans pour harceler un média public de lui donner une job. Ça, c'était le fun. Merci à tout le monde qui a contribué au mouvement. Lors de la diffusion en direct du dernier épisode de Tout le monde en parle, le 14 février, Danny Turcotte, suite à une entrevue très émotive avec Mamadi Camara, qui a été victime d'une bavure policière de la part d'une bavure policière et juridique, lui a fait une joke qui a été mal perçue par le public, mais sur le coup bizarrement répondu par Monsieur Camara. Est-ce que vous allez encore utiliser celui-là au volant? Vous savez, c'est un autre débat, ça peut être discuté, mais je peux vous assurer que j'étais pas au téléphone. C'était juste pas un bon commentaire placé. Puis moi, en tant que tel, Danny Turcotte, ça fait longtemps que je trouve qu'il fait des pas tant bons commentaires. Même ma politique sur Danny Turcotte, c'est comme, c'est correct, genre, c'est une bonne énergie, il peut être là, même si ses jokes sont mauvaises des fois, qui que ses jokes sont bonnes tout le temps, tu comprends? Mais avec le montage, tu peux cacher quand tu fais des mauvaises jokes ou quand tu fais des jokes douteuses, mais vu que l'émission est rendue en direct avec la nouvelle formule COVID, ça fait en sorte qu'il y a pas ce coussin-là du montage. Si vous étiez pas au courant, avant la pandémie, Tout le monde en parle était enregistré les jeudis, monté puis diffusé le dimanche, donc il y avait un editing qui était fait, ce qui rend une lame à double tranchant. Oui, quand c'est en direct, tu vois exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, mais moi, en tant que quelqu'un qui crée du contenu, quand il y a du montage, il y a moyen de créer un contenu qui est plus tight puis meilleur en tant que tel, mais ça te permet aussi d'orienter les entrevues comment qu'ils sont perçus, puis d'enlever les parties que t'es moins content, t'sais. Comme je suis sûr que si c'était pas en direct, Tout le monde en parle, on n'aurait pas vu Mathieu Bock-Côté complètement anéantir Danny Turcotte, tu comprends? Puis là, Mathieu Bock-Côté se prend pour le grand défenseur de Danny Turcotte, mais c'est lui qui l'a rincé il y a genre deux mois. Mais anyways, tout ça pour en revenir que il a quitté son poste. Puis dans la manière qu'il a quitté son poste, c'est que oui, il s'est passé une controverse avec Mamadi Camara, mais en tant que tel, il se serait pas fait renvoyer pour ça. Puis ça a juste énervé du monde dans des commentaires. Puis il a reçu des commentaires méchants. C'est plate qu'il reçoive des commentaires méchants, mais je pense qu'il doit recevoir encore plus de commentaires méchants quand il se fait retweet par Sophie Durocher, qui envoie ses fans, ses followers sectaires, parce que la secte de la droite identitaire au Québec prend de l'ampleur tous les jours, alimentée par Québécois, qu'il y a des chroniqueurs qui passent le mot de l'histoire des Noirs à crier au racisme anti-blanc. Et anyway, c'est un autre débat pour une autre vidéo. Suite à la diffusion de cette émission en direct, il a reçu beaucoup de haine en tant que tel, beaucoup de commentaires, ou pas juste de la haine, des gens qui avaient une critique qui était légitime à faire sur le travail qu'il fait. Puis honnêtement, c'est la plus grosse émission d'affaires publiques au Québec, même si le ton est pas très sérieux. Comme si ça vaut la. On a le droit de critiquer que c'était pas une bonne joke. Fait que là, qu'est-ce que Danny Turcotte fait? Il fait un long post Facebook où est-ce qu'il explique qu'il a décidé de démissionner, que ça faisait longtemps qu'il remettait en question sa place dans l'émission. Which is fair enough. Qu'est-ce que je trouve plate dans comment tout ça s'est passé? Puis lui a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut, c'est pas nécessairement sa faute. C'est que vu que ça arrive tout de suite après l'affaire avec Monsieur Camara, tout le monde pense qu'il s'est fait soit renvoyer de Radio-Canada, soit qu'il y a une grosse conspiration, puis qu'on peut plus rien dire, puis que blablabla, cancel culture, les woke. Hey, on aurait jamais dû apprendre le mot woke à la population québécoise. Si j'ai jamais vu un mot autant mal utilisé dans l'espace public que le mot woke depuis l'histoire à Ottawa, c'est qu'au lieu de juste passer à autre chose, puis que ça fait 17 ans qu'il fait l'émission, c'est juste rendu une espèce de débat sur la liberté d'expression. Encore une fois, ça répète, c'est la même chose. Puis honnêtement, puis là je vous dis, honnêtement, moi j'ai pas tant. Et cette joke là était conne, mais ça vaudrait pas la peine que tu perdes sa job. Puis c'est pas pour ça qu'il a plus ce job là. C'est juste que je trouve que la voix qui chiale
parole à la censure puis qui sentent qu'ils ont pas le droit de parler, je la trouve vraiment plus forte que les gens qui militent pour soi-disant comme censurer le monde ou dire que là, tout, on blesse tout le monde. Je trouve que en fait c'est vous les offusquez, parce que dès que quelqu'un émet une critique, vous allez vous dire censurer. Si tu te censures après avoir dit quelque chose, ou si tu dis de quoi puis tu te sens le besoin de t'excuser après, c'est pas à cause que tu t'es fait harceler avec du monde, c'est que t'as écouté qu'est-ce qu'ils ont dit puis que t'as jugé qu'il y avait une validité dans leurs propos puis que ils ont pesé un argument moral pour que tu t'excuses. Fait que tu reconnais qu'il y a un doute dans qu'est-ce que tu dis, tu comprends? C'est pas le... Attends, il y a une façon de mieux formuler ça. Je trouve qu'au Québec, le mouvement en tant que tel, il est fringe de gens qui sont pour... on les appelle les militants woke là, dans les médias. On sait pas c'est qui, c'est juste des gens sur Twitter qui sont fâchés. C'est juste tellement biaisé puis orienté par... C'est trop clair, selon moi. Puis qu'on s'arrête à ça, genre, pour dire que Radio-Can a pris une mauvaise... Radio-Can n'a pas pris de décision, ils ont pas renvoyé Danny Turcotte puis ils l'auraient pas fait. C'est complètement absurde. Il se sent mal parce qu'il a jugé lui-même que sa joke était pas bonne. C'est tout le temps ça que t'arrives quand il y a des shit de même, c'est que quelqu'un pèse un argument moral pour dire que qu'est-ce que t'as dit c'était whack, tu le reconnais puis tu t'excuses. Il y a personne qui t'a forcé, à moins que genre les gens ont tant peur de ces tweets de gens qui disent que quelque chose est raciste ou que quelque chose est mauvais. C'est qui vous force à faire ça? Tu peux juste te faire cancel par le monde qui te suit. Si Martin Matt il fait une pub qui est jugée grossophobe pour Maxi par des gens, il y a des gens qui trouvent ça plate. C'est qui peut cancel Martin Matt? C'est le monde qui achète des billets pour ses shows, c'est le monde qui écoute les beaux malaises. Là, tu peux dire, ah ben TVA pourrait arrêter de diffuser les beaux malaises. Fine, mais je suis sûr que Martin Matt, il ferait de quoi sur YouTube, ce serait vu aussi, tu comprends? C'est comme, on est à une ère post-gatekeeping dans les médias. Oui, il y a une espèce d'impression qu'il faut participer à la culture par la part des grosses corporations médiatiques, mais en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de choses entre une personne puis le public en 2021. Fait que de dire qu'on cancel du monde, tu peux juste te faire cancel par le monde qui fuck avec toi, puis si t'as fait de quoi que eux ils juste whack puis ils veulent plus te supporter. Fait qu'on joue tout le temps ce cas argumentaire de hostie qu'on est censuré puis hostie qu'on peut plus rien dire. C'est comme c'est qui t'empêche de dire des choses? T'as dit quoi qui a fait chier du monde? Ben yo, deal avec, arrête de dire des choses si tu veux pas faire chier le monde. C'est quoi? Je comprends pas. Moi, il y a du monde qui me dit qu'est-ce que je dis ça fait pas de sens, puis qu'est-ce qu'à chaque vidéo, puis est-ce que j'arrête? Non, je comprends pas pourquoi vous vous sentez autant trigger. Puis peut-être, genre, j'aimerais ça, ok? Fait que là, je fais l'appel à monsieur Marcino, monsieur Bocoté, venez à ma podcast. Je veux qu'on discute de ça. Je veux savoir qu'est-ce qui vous trigger autant, là. Vous vous sentez tant censuré quand vous avez dans les plus grosses tribunes au Québec, ça fait tellement aucun sens. Pourquoi ça fait aucun sens? Mais il arrive. C'est ça que j'arrive tout le temps à ça avec ce petit débat. Ça fait tellement aucun sens pour moi qu'ils se sentent censurés. Puis après, je suis comme, mais censuré par qui? Par des tweets? En gros, cette histoire-là de Danny Turcotte, c'est que 17 ans à la télé, c'est immense. Puis au lieu de comme célébrer le fait qu'il arrête, puis check, cette formule est pas adaptée à lui, il aime pas ça être en direct, il trouve qu'il marche trop sur des œufs ou whatever. Au lieu de célébrer ses 17 années de télévision, on va juste faire encore une victimisation puis dire que ah check, un autre homme whatever qui peut plus dire qu'est-ce qu'il y a à dire, comme si c'était tant tangible que ça qu'on supprime. Je trouve que c'est une censure, c'est une auto-censure. C'est comme ouais, yes, c'est vrai que dire des choses qui blessent du monde, c'est pas le fun, puis il faudrait moins le faire. Est-ce qu'on va vous pendre au but? Non, il y a rien de ça, genre. C'est ce climat de tension là, je trouve qu'il est mis par, il est rajouté par les gens qui sont contre ça, puis qui appelle à arrêter la censure puis tout. C'est comme, oui, il y a du monde qui vont être agressifs sur Twitter, il y a du monde, c'est des fuck-all qui vont faire ça, il y a du monde qui vont être pas d'accord sur un spectrum de pas d'accord, acheter des tests, puis ça fait partie de vivre dans l'espace public. Puis avant ça, tu recevais peut-être des lettres méchantes, puis whatever, tu rencontrais jamais les gens qui voulaient t'arracher en face. Moi, je vais, genre, c'est comme, ça fait partie de la game. Fait que là, on rentre ça, puis je trouve qu'on l'instrumentalise pour dire, voyez comment on a un problème de liberté d'expression. C'est comme, non, man, justement, on a une hyper liberté d'expression, tout le monde dit qu'est-ce qu'il pense. Fait comme, deal avec, avoir un micro plus fort que tout le monde, ça vient avec avoir plus de critiques que tout le monde. Puis je comprends que Danny était plus capable, c'est pour ça que je respecte sa décision de quitter le show. C'est juste que le contexte dans lequel qu'il fait, ça fait en sorte que c'est attribué à une controverse qui a principalement aucun rapport en tant que tel. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Et encore une fois, l'histoire de Monsieur Camara qui revient dans l'espace public pour le nom de Monsieur Camara qui revient dans l'espace public pour une autre raison qui serait
une autre raison qui est négative, comme s'il y avait eu à voir quelque chose là-dedans, c'est complètement absurde. Puis je pense pas que les gens soient contre qu'est-ce que tu fais, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. C'est, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive en tant que tel. C'est sûr que quand tu pars d'une société où est-ce que on va rien reprocher, puis tout, c'est comme ah ben deal avec, ah ah ben il y a un peu de conséquences pour les choses que tu dis, ben les gens qui l'avaient le mieux, soit ils sentent comme ils sont leur brimés leur liberté, mais non, c'est juste comme ça fait partie de la game. Fait que yeah man, je suis juste un peu tanné tout ça, puis genre je veux vraiment je fais un appel à discuter avec des gens dans l'espace public, et vous allez voir dans quel contexte je veux discuter avec ces gens-là pour comprendre un peu plus leur position, puis où est-ce qu'ils sentent cette attaque-là, parce que moi je trouve pas que c'est une attaque qui est à prendre tant que ça au sérieux si c'est pas genre anyways man. Parce que tu sais, la joke de Danny Turcotte était mauvaise, moi quand je suis comme ah c'est une mauvaise joke, mais est-ce que c'est hors du registre des mauvaises jokes à Danny Turcotte? Allez écouter l'entrevue de Tout le monde en parle avec Nelly Arcand, allez écouter d'autres entrevues de Tout le monde en parle fucked up, genre ça c'est plus dans le registre de choses que j'aurais voulu qu'il se passe quelque chose, mais anyway j'avais pas l'âge pour faire des vidéos YouTube à ce jeu. Mais yeah, c'est ça, fait comme c'est pas nouveau dans ce cadre là de Joe Wack, genre pas juste de Danny Turcotte mais de Guillaume aussi, c'est chill, personne censure personne selon moi, le monde ils font juste plus dire puis sont plus écoutés, fait que là tu sens comme si tu devais marcher sur des œufs, mais yeah, peut-être que t'es wack puis tu devrais checker qu'est-ce que tu penses du monde puis qu'est-ce que tu dis sur l'espace public, genre je pense que c'est ça un peu la morale. Puis tu sais, comme j'ai souvent dit, tout genre ça va se raligner à un moment donné. Puis une audition pour Mounir Radio-Can, j'ai réussi, genre mes processus s'en vont pour que je prenne la job de fou du roi, tout le monde qui a participé à la campagne, on est en pourparler, moi puis Radio-Canada en pourparler, c'est plus moi qui parle puis eux qui me disent non là, mais en gros j'ai appris que ils vont pas chercher quelqu'un pour le remplacer cette saison, puis que ils vont voir pour l'année prochaine. En tant que tel, je sais même pas si Tout le monde en parle va revenir l'année prochaine, mais il fallait que je me mette dans la discussion pour avoir le rôle de fou du roi. Puis merci de m'avoir aidé à faire ça, c'était drôle. Yeah, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous avez passé un beau dimanche, belle semaine. Je vais pas regarder Tout le monde en parle ce soir, mais je regarde pas la télé. Non, c'est pas, je regarde la télé, tout le monde savait que je regarde la télé. Like, subscribe, fade us, fade bye, reste à l'école.